Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 22 juin 2022 et la Tribune des travailleurs numéro 345 vient de sortir. Un numéro qui est titré Le 19 juin, le peuple a tranché, Macron et ses plans sont illégitimes. Le journal, dans ses pages d'actualité politique, revient bien entendu sur le fait marquant des élections législatives, deuxième tour des élections législatives le 19 juin, et publie cette infographie qui montre que l'abstention et les votes blancs et nuls représentent plus de la moitié du corps électoral, ce qui signifie un rejet extrêmement massif par l'électorat et en particulier par l'électorat ouvrier et populaire qui s'est abstenu en masse à ces élections, manifestant son rejet non seulement de Macron et des 5 années que nous venons de subir, mais également son rejet plus généralement des institutions de la Ve République, des institutions antidémocratiques taillées sur mesure pour les besoins du capital financier. L'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine est titré La revanche de la démocratie et commence en citant un autre éditorialiste, le chroniqueur du Figaro, qui écrit il y a quelques jours, il faut bien reconnaître que personne n'a la solution à ce qui est sans doute la crise politique et institutionnelle la plus grave qu'ait connue la Ve République. Une crise qui découle du rejet massif par l'électorat que d'aucuns ont cherché à convaincre par de multiples moyens de se rendre aux urnes et qui est resté sourd à ces appels, s'abstenant pour manifester son rejet des institutions et de la politique menée depuis des années et des années. L'éditorial poursuit en rappelant ce que c'est que la démocratie, car certains parlent de crise de la démocratie, c'est l'inverse, c'est la revanche de la démocratie. La démocratie, c'est le règne de la majorité. Or, qu'est-ce que la Ve République, dit l'éditorial, le régime de la minorité. En 64 ans d'existence, la Ve République n'a cessé de s'en prendre à la sécurité sociale et aux retraites, aux salaires et à l'emploi et aux services publics, privatisant, démantelant, disloquant tout ce qui est utile et nécessaire au peuple travailleur et la jeunesse. Et c'est tout cela qui a été rejeté par l'abstention ouvrière et populaire. Dans ces conditions, le chroniqueur du Figaro, attaché bien entendu à la préservation de l'ordre établi, se pose le problème, je cite, d'une nouvelle révolution institutionnelle à définir. On a vu depuis la sortie de la Tribune des Travailleurs qu'en haut lieu, on cherche des solutions de replâtrage des institutions, y compris un gouvernement d'union nationale qui d'ores et déjà, à gauche comme à droite, reçoit des accords. Une révolution institutionnelle, certainement, dit l'éditorialiste de la Tribune des Travailleurs. Mais non pas pour replâtrer les institutions moribondes, mais pour les balayer, en un mot, par la convocation d'une assemblée constituante souveraine, à deux conditions. La première, que l'on passe du pouvoir de la minorité au pouvoir de la majorité du point de vue des institutions elles-mêmes, mais également du point de vue de leur contenu social. La presse ne cache plus que la flambée des prix menace des millions et des millions de sombrer dans la paupérisation et que, évidemment, un gouvernement des institutions au service de la majorité aura un contenu social qui consisterait à prendre les mesures d'urgence, bloquant les prix, augmentant les salaires, rétablissant les services publics et pour cela, récupérant les centaines de milliards qui ont été versés aux capitalistes depuis 2 ans. Alors, les 26 millions d'abstentionnistes, comme les millions d'électeurs de la NUPES, manifestent effectivement cette aspiration à, comment dire, un changement. Ces aspirations qui se manifestent également au quotidien à travers les grèves. Et de ce point de vue-là, l'éditorialiste de la Tribune des Travailleurs conclut sur le fait que la revanche de la démocratie se ferait sa voie dans et par la lutte de classe. Elle vise non à sauver Macron et la Ve République, comme certains le tentent en ce moment, mais au contraire à en finir avec Macron, sa politique et la Ve République. Elle se concentre en une exigence, maintenant tout de suite rupture, n'en déplaise au Figaro, il n'y aura de révolution institutionnelle que sociale, c'est-à-dire ouvrière. Et justement, la démocratie qui se ferait sa voie
à travers la lutte de classe, c'est l'objet de l'ouverture du journal cette semaine. Trois grèves parmi de nombreuses autres, et le site de La Tribune, le quotidien patronal du même nom, ne se prive pas de constater, je cite, qu'une vague déferle sur la France, celle des mouvements de grève. Oui, les patrons s'inquiètent de cette vague de grève. Une vague, dit le journal patronal, qui déferle aux quatre coins de la France, dans les petites entreprises comme au sein des grands groupes et dans de nombreuses branches, pour exiger des hausses de salaire. Eh bien, la Tribune des travailleurs donne la parole à des travailleurs dans trois secteurs qui, cette semaine, ont manifesté leurs revendications à travers des mouvements de grève. D'abord, ce mouvement des conducteurs de bennes à ordures ménagères à la ville de Paris, un mouvement qui a commencé par un débrayage dans les garages, contraignant les organisations syndicales à rejoindre la grève. La Tribune des travailleurs donne la parole à des conducteurs dans ces colonnes. Mais également, cette grève dans l'entreprise Swatec dans l'Isère, où les salariés, unis avec leurs syndicats, ont avancé leurs revendications et en ont arraché un certain nombre. Vous lirez l'interview des délégués dans la grève. Un mouvement, disent ses camarades, un mouvement issu spontanément des salariés. Et enfin, la mobilisation des personnels, des agents territoriaux du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui, à nouveau, se mobilise contre la mise en œuvre par le conseil départemental, qui est une majorité de gauche, une majorité NUPES, contre la décision du conseil départemental d'appliquer la contre-réforme du sceau Macron, qui impose les 1607 heures annuelles et remet en cause 25 jours de congé, 25 jours de congé en moins par an pour ces agents qui font partie des couches les plus exploitées de la classe ouvrière. Troussel se dit de gauche et il refuse de reporter les 1607 heures, expriment ses agents. Ils ont raison de refuser la mise en œuvre de la politique de Macron par une majorité qui se prétend de gauche. Et puis, dans la Tribune des travailleurs, de nombreux autres comptes rendus des grèves envoyées par nos correspondants, mais aussi un article qui revient sur l'un des subterfuges par lesquels Macron cherche à surmonter la crise de la Ve République. Il a annoncé, puis reporté, la convocation d'un Conseil national de la refondation dans lequel il cherche en particulier à attirer la participation des prétendus partenaires sociaux, c'est-à-dire des organisations syndicales, pour chercher à les associer à ces projets de destruction. L'indépendance syndicale à l'épreuve du Conseil national de la refondation, c'est une contribution qui est publiée cette semaine dans la Tribune des travailleurs et qui intéressera de nombreux militants syndicaux de toutes affiliations qui cherchent à préserver l'indépendance de leurs organisations vis-à-vis du gouvernement Macron et de sa politique. Bien entendu, on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale, mais qui mène une vieille politique. La Tribune des travailleurs revient cette semaine également sur les éléments de la lutte de classe dans l'éducation nationale. Alors, bien entendu, comme chaque semaine, l'avis du parti ouvrier indépendant démocratique cette semaine, c'est bien entendu le communiqué du POID adopté au lendemain, du deuxième tour de l'élection législative. Le 19 juin, le peuple a tranché, Macron et tous ses plans sont illégitimes. C'est l'activité des comités départementaux et des comités locaux. Cette semaine en particulier, nous revenons sur la mobilisation engagée par nos camarades de Moselle pour la défense des hôpitaux. Des hôpitaux dont, rappelons-le, le gouvernement a prévu qu'un maximum de services d'urgence, faute de personnel, devrait être fermé cet été, préparant une catastrophe. Et l'activité du parti, c'est également ce tract du comité départemental du POID de Seine-Saint-Denis. Troussel et sa majorité PS, PCF, LFI, EELV, vous devez accéder aux revendications des agents du Conseil départemental, cette mobilisation dont nous parlions il y a un instant. Dans la Tribune des travailleurs cette semaine également, la poursuite de la campagne de la Fédération des jeunes révolutionnaires pour une manifestation unie de la jeunesse contre la guerre. Macron, dans le cadre de la marche à un conflit généralisé en Europe et à l'échelle mondiale, a annoncé qu'il obéirait aux exigences de l'OTAN d'augmenter encore le budget militaire, 10 milliards d'euros par an pendant 3 ans chaque année,
les camarades de la Fédération des jeunes révolutionnaires 10 milliards, explique dans le journal, 10 milliards de plus pour la guerre et il faudrait se taire, des profs, pas des armes, et ils rendent compte des premiers éléments de regroupement de jeunes et de militants, d'organisations de jeunes qui se regroupent et agissent pour une manifestation unie de la jeunesse contre la guerre. Dans la Tribune des Travailleurs cette semaine également, l'actualité internationale, on en parlait à l'instant, l'actualité internationale, c'est la lutte contre la guerre. La lutte contre la guerre, pas simplement la guerre en Ukraine. En réalité, il y a bien sûr de nombreux conflits, mais c'est une seule guerre qui découle de la survie du régime capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production, qui provoque des conflits sur tous les continents contre les peuples. Et cette semaine, la Tribune des Travailleurs publie un document absolument inédit qui attirera l'attention de nombreux lecteurs, de nombreux travailleurs et jeunes attachés à la lutte contre la guerre, à la défense de la paix. C'est cette solidarité qui s'est exprimée cette semaine entre les livreurs et leurs syndicats de Russie et d'Ukraine, malgré la guerre qui se déchaîne entre les deux pays, malgré l'agression du régime de Poutine contre le peuple ukrainien, les livreurs et leurs syndicats indépendants en proie à la répression en Russie expriment leur solidarité avec les livreurs de Lvov, en Ukraine, qui, eux aussi, se mettent en grève contre les conditions de surexploitation dont ils sont victimes. Eh bien, cette solidarité internationaliste dans deux pays en guerre entre travailleurs parmi les couches les plus exploitées est un élément absolument significatif du fait que la classe ouvrière a les moyens de s'opposer à ce monde de guerre et d'exploitation que l'on veut nous imposer. La guerre a entraîné, bien sûr, dans le monde entier, une spéculation effrénée des capitalistes sur les matières premières, qui aboutissent à une flambée des prix qui frappe durement au porte-monnaie des centaines de millions de travailleurs à travers le monde. Cette semaine, dans la Tribune des Travailleurs, avec nos correspondants, nous revenons sur des mobilisations ouvrières qui se dressent face à la flambée des prix, qui dressent les organisations ouvrières et leurs revendications contre la flambée des prix. C'est la mobilisation des masses populaires en Équateur contre l'augmentation du prix des carburants qui affecte en particulier les populations indigènes parmi les couches les plus exploitées. C'est la grève massive le 16 juin dans les entreprises d'État en Tunisie, une grève à l'appel de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, qui fait dire à l'agence de notation Fitch, tristement célèbre, qu'il est très difficile de faire adopter des réformes politiques et économiques en Tunisie sans le soutien de l'UGTT. On le voit, l'aliénation de l'indépendance des organisations ouvrières est bien une question internationale. Et enfin, c'est la journée de grève à l'appel de la FGTB et de la CSC en Belgique le 21 juin, qui a été massivement suivie, la plus suivie depuis 10 ans, disent des observateurs. Travailleurs néerlandophones et francophones, à l'appel de la FGTB et de la centrale chrétienne CSC, étaient par dizaines de milliers dans les rues de Bruxelles pour l'augmentation de leur pouvoir d'achat contre la loi qui bloque les salaires, la loi 96. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre, c'est ce qu'on pouvait lire sur des pancartes écrites en français et en néerlandais, qui posent tout le problème d'en finir avec un gouvernement auquel le Parti socialiste belge apporte son appui et sa participation. Et puis, dans le cadre de la préparation de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'internationale ouvrière, vous lirez également cette semaine l'interview d'Africana, un chanteur nigérian qui rappelle les mobilisations ouvrières, populaires et jeunes dans son pays, subissant la dictature des grandes multinationales pétrolières et du Fonds monétaire international, et l'aspiration qu'il exprime, qui est celle de toute la jeunesse africaine, que les organisations se rassemblent pour une société égalitaire, pour le socialisme. C'est une contribution à la préparation de cette conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation. Alors, nous sommes le 22 juin, il nous reste 2 semaines avant le premier numéro des abonnements d'été à la Tribune des Travailleurs, qui paraîtra le 6 juillet. Il nous reste donc 2 semaines pour faire partager notre enthousiasme pour ce journal auprès des travailleurs, des militants, autour de nous, des jeunes, auprès de nos voisins, de nos amis, de nos parents, de nos camarades de syndicats,
L'été qui s'approche est l'été de tous les dangers, un été où la crise de la Ve République a franchi un nouveau cran et où en même temps le gouvernement n'a pas renoncé à mettre en œuvre le mandat que le capital financier exige de lui. Un été qui est marqué aussi par la poursuite des mobilisations de la classe ouvrière sur son propre terrain. Il y aura donc besoin cet été de la tribune des travailleurs chaque semaine dans sa boîte aux lettres en version papier ou en version numérique sur son smartphone ou sa tablette. 10 euros, c'est le prix que coûte un abonnement d'été à la tribune des travailleurs. Proposons donc largement autour de nous aux travailleurs militants jeunes qui auront besoin de ce journal au mois de juillet et d'août de pouvoir le découvrir en s'abonnant dès maintenant. Ils auront également accès à nos rubriques de l'été, notamment des entretiens avec des écrivains qui expliqueront pourquoi la réalité de classe, la réalité de la lutte de classe fait partie de leurs œuvres, quelles qu'elles soient. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des Travailleurs. D'ici là, en avant sur les abonnements d'été.